Quand on voit la deuxième mi-temps, ouais, c'est une bonne chose, on s'en sort bien. Ils ont tapé les montants. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas pris de but et c'était le premier objectif, il a été atteint. Maintenant, c'est quand même une petite déception de ne pas ramener les 3 points à domicile. C'est une équipe difficile à manœuvrer, ils sont bien en place. Ils savent alterner les temps forts et les temps faibles. Et ils nous ont posé pas mal de problèmes dans le jeu ou même en compte, ça allait vite. Et on sent cette équipe qui sont un peu plus en confiance que nous aussi. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes dans le jeu et on a eu du mal, nous, à développer notre football qu'on produit normalement à domicile. Mais quand on n'arrive pas à gagner, il faut savoir ne pas le perdre et ça a été le cas. On pensait vraiment que pendant 20 minutes, on allait avoir la foudre parce qu'ils mettent beaucoup d'agressivité, ils sont très présents dans le pressing d'habitude et il s'est avéré que les 20 premières minutes, à part la première action de Terrier, on n'a pas été trop mis à mal. Et puis on a même réussi à, après, petit à petit, à prendre le dessus. Mais on s'attendait, avec l'appui du public, à vivre des moments beaucoup plus compliqués, notamment dans les 20 premières minutes. Je pense que l'enchaînement des matchs y est pour beaucoup. Et puis il faut dire que le terrain était aussi très lourd. C'est pas évident de répéter les courses et de mettre de l'intensité dans ces conditions.